Bonjour. Nous allons étudier aujourd'hui ce que les déterminants ont défini ou plus connu comme l'article partitif. Eh bien, qu'est-ce que l'importance du déterminant? Ah, le déterminant, c'est extrêmement capital parce que c'est des mots qui doivent nécessairement précéder un nom ou un substantif. Et pour constituer un groupe nominal bien formé, on dirait. Et les déterminants, souvenons-nous qu'ils portent les marques de genre masculin ou féminin, des nombres aussi, singuliers et pluriels. Alors, le déterminant partitif, il est plutôt employé parce qu'en français, il existe deux types de quantités, les quantités comptables et les quantités massives. Et alors, l'article partitif fera partie de noms massifs. Par exemple, qu'est-ce qu'un nom massif? Ça peut être une quantité inconnue d'un certain matériel, ou bien d'une certaine essence, comme par exemple de la farine, du vin, de l'huile et des protéines. Ou c'est aussi souvent employé pour les noms abstraits, par exemple du courage, de la beauté et de l'espoir. Les activités qu'on pratique sont souvent représentées aussi par cet article partitif. Eh bien, on dit du football, de la danse et de l'escalade, par exemple. Et prenons l'exemple de crêpes. Et pour exprimer un nom de masse, on dirait pour faire de crêpes, vous avez besoin du beurre, de la farine, des œufs et du lait. Vous voyez, chaque substantif est très bien accompagné avec l'article partitif. L'exemple d'un nom abstrait. Il faut du courage pour participer aux Jeux Olympiques. Vous voyez, le mot le courage est en fait accompagné toujours de l'article partitif, quoi. Et un autre exemple, c'est pour exprimer les activités ou les loisirs, c'est à Koutonala, on peut faire du football, du vélo et de la musique. Vous voyez, toutes les activités sont toujours accompagnées de l'article partitif. Eh bien, passons à la morphologie des articles, c'est du pour le masculin singulier, de la pour le féminin singulier, ou bien de l'apostrophe si n'importe quel commence avec une voyelle ou souvent un H, et des pour le pluriel. Merci beaucoup. N'oubliez pas de revoir les vidéos, de donner le like, et bien, au revoir.